Comment transporte-t-il le lait de la ferme jusqu'à l'épicerie? Eh bien, il y a plusieurs étapes encore avant que le lait soit livré à l'épicerie. Des camions-citernes font le tour des fermes laitières et collectent le lait environ tous les deux jours. Pour les grandes fermes, le lait est ramassé chaque jour. Chaque jour? Wow! Le conducteur du camion-citerne est un évaluateur de lait cru autorisé. La quantité de lait est mesurée, puis un échantillon du lait est pris avant d'être pompé dans le camion. Ces échantillons sont envoyés à un laboratoire pour une analyse afin d'assurer que le lait répond aux strictes normes gouvernementales. Le lait est ensuite livré à la laiterie. J'ai déjà vu des camions-citernes de lait sur la route. Tous les jours, les camions-citernes livrent le lait provenant des fermes laitières aux laiteries. Avant qu'il ne soit accepté par la laiterie, le lait est soigneusement vérifié. Tout d'abord, le lait est vérifié pour quelque odeur anormale. Ensuite, un échantillon du lait est analysé. L'analyse assure que le lait est sans danger et qu'il répond aux strictes normes gouvernementales. Le lait du camion-citerne est pompé dans les réservoirs de l'usine. Le lait est conservé au froid dans des réservoirs jusqu'à ce qu'il sera transformé à la laiterie.